Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, dans cet épisode de 507 heures, on rejoue après 9 annulations. Et aujourd'hui, on fait une matinée. Et là, je sais, tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est qu'une matinée? Et là, je te dis, calme-toi. D'accord? D'abord, générique. Et aujourd'hui, messieurs, dames, on joue avec l'affaire Capucine. Regardez les copains qui sont là. Alors, normalement, ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu qu'il manque quelqu'un. Il manque Camille au violoncelle. Voilà. Qui va arriver tout à l'heure parce qu'elle jouait ce matin. Enfin bref, emploi du temps de ministre. Camille Guérard. Salut, c'est le Franck du montage et en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que du coup, j'avais oublié de préciser ce que c'était une matinée. Donc je vous le dis maintenant, une matinée en spectacle, c'est quand on joue en début d'après-midi plutôt que le soir. Et peut-être que là, vous vous demandez, mais du coup, si on joue en début d'après-midi, pourquoi on appelle ça une matinée? Au début, j'étais parti pour vous expliquer, mais en fait, c'est tellement intéressant, les raisons historiques de ça, que je pense que je vais en faire un épisode dédié en digression musicale. Voilà, fin de la parenthèse, retour à l'épisode. Tous ces décors que vous voyez habituellement monter sur la scène, il faut bien les monter. Donc là, vous avez une première méduse ici, une deuxième là-bas, et on va en mettre une troisième ici. Et il faut monter sur le pont. Encore plus haut, en fait. Finalement, c'est vrai quand on se met là, voilà, ça me paraît pas mal. Ouais. Ok. Vous en avez, non? Non, j'ai, mais on avait de la drisse, alors j'ai mis de la drisse. Alors messieurs, dames, je vous ai emmené en régie, un endroit que vous connaissez très peu. C'est un peu le principe de cette chaîne, montrer les coulisses de l'intermittence du spectacle. La régie, c'est là que tout se passe. C'est là qu'on règle les lumières, avec une console lumière ici. Et c'est là qu'on règle le son, avec la console son ici. Donc pour ceux qui se demandent comment c'est possible d'avoir du son sur la scène qui arrive en régie, vous voyez les câbles qui sont là, sont exactement reliés par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un multipaire à des câbles qui sont sur scène. C'est-à-dire que quand moi je vais brancher mon clavier là-bas sur scène, je vais le brancher à un endroit qui est relié à cette console, et du coup Fred, via cette console, peut piloter le son de mon clavier avec cette console. C'est bon, t'as compris? Et ben là, t'as exactement le même délire avec la lumière. Voilà. Tous les projecteurs qu'on est en train de régler là-bas sont reliés à cette console-là. C'est pour ça qu'en régie, vous avez souvent deux personnes. Une personne qui règle les lumières et une personne qui règle le son. Voilà, je vous présente Fred. C'est lui qui va nous faire le son aujourd'hui. Là, c'est pas l'idéal, en vrai, pour vous expliquer un petit peu, parce que je pense que tu me contrediras pas, Fred. On n'aime pas trop être dans une cage comme ça quand on fait le son, parce que il y a des fenêtres et ça coupe un peu du son. Ça, donc c'est compliqué pour Fred de s'imaginer quels sons ont les gens dans la salle. Donc il va, je pense, devoir faire quelques allers-retours dans la salle pour vérifier que ce qu'il entend dans la cabine, c'est bien la même chose que ce qu'il y a dans la salle. Mais enfin voilà, vous avez un peu les coulisses de comment ça se passe en régie. Et nous allons rencontrer le groupe L'Affaire Capucine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un rapide tour de table pour vous présenter. Voilà. Ah, toi, tu veux pas être à l'écran? Ah, ouais, okay. On a Samuel, mais on le montre pas, mais qui nous fait un travail formidable à la caméra. Voilà, Samuel, il est là. Et donc, je suis un peu ridicule parce que du coup, j'ai juste une toute petite caméra. Pour ceux qui sont venus me voir en live, vous avez vu, j'ai une Osmo Pocket. Si vous savez pas ce que c'est, je le mets là en incrustation. Et lui, il a une caméra, mais de télé, un truc monstrueux. Donc, je suis un peu ridicule avec ma petite ouais, caméra. Mais vous faites du 4K, hein, c'est énorme. Ouais, moi, je fais Samuel, du 4K. Samuel, tu fais du 4K? Il dit non, il dit que non. Bon voilà, c'était pour vous montrer que des fois on a des trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que là on joue dans... Quelle heure il est? Il est 14h47, vous jouez dans 13 minutes. Et on joue dans 13 minutes, tu vois, c'est ça aussi la réactivité. Des fois il faut être dynamique et puis se dire on joue dans 13 minutes, ok, on a une interview. Et là maintenant, bah, du coup je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me préparer. Je suis la chenille papillon, je suis danseuse,
et l'anime. Non pas la question de mon âge, mais celle de mes origines. Moi qui me suis